Défi 5. Jeunesse, éducation, immobilier départemental. Notre mandat est placé sous le signe de la jeunesse, parce que nous sommes déterminés à transmettre, à stimuler et à encourager les initiatives des jeunes. Le département a décidé d'investir sur ces jeunes. Nos actions seront de trois ordres. Auprès des collégiens auxquels nous allons proposer des outils innovants, une approche partenariale inédite, des réponses aux questions qu'ils se posent. En faisant des jeunes une cible privilégiée de chacune de nos politiques, qu'elles soient sportives, culturelles, environnementales. Nous voulons les associer à tous les choix qui les concernent aujourd'hui et qu'ils auront à assumer demain, et nous assurer que leurs attentes soient satisfaites. En nous impliquant pour faire de chaque jeune Aveyronnais un ambassadeur de l'Aveyron, de ses métiers, de ses savoir-faire, de ses productions agroalimentaires, de sa modernité, des engagements que l'on peut y prendre. Notre mandat, c'est aussi celui de la modernité et d'une approche innovante de gestion de l'immense patrimoine du département. D'ores et déjà, de grandes décisions sont en cours. Vente des haras à la mairie de Rodez, création d'un haut lieu de l'Aveyron sur le site remarquable du palais épiscopal. En outre, l'ensemble du parc immobilier départemental fait l'objet d'un audit qui permettra d'en rationaliser l'utilisation, l'entretien et la modernisation.